compact qu'un scooter GT, mais plus polyvalent qu'un urbain, Pulsion 125 inaugure le format inédit Urban GT. Cerise sur le lion, outre ses belles finitions inspirées de l'automobile, il dispose d'un écran connecté avec GPS. Bon les enfants, il fait très très chaud aujourd'hui pour essayer ce nouveau Peugeot Pulsion. 40 degrés m'indique le tableau de bord, mais on est là pour vous. Moi je suis bien contente qu'il y ait ce nouveau scooter dans la gamme Peugeot, ça fait plaisir. Surtout que mes premières impressions sont quand même assez satisfaisantes. Déjà au niveau ergonomie et gabarit, c'est vraiment intéressant parce qu'il est ni trop gros ni trop petit. Pour ma taille, c'est très bien, je pose en bonne demi-pointe par terre. Si besoin, je m'avance un petit peu sur la selle. Et pour les plus grands, c'est bien aussi qu'ils peuvent allonger un petit peu les jambes. Bon, c'est sûr que c'est pas un gros GT, mais voilà, c'est un scooter moyen et qui conviendra à tout le monde. La selle est vraiment accueillante, moelleuse, je suis bien calée au niveau des lombaires. Les amortisseurs sont un peu fermes hein, quand même, ça il faut bien le dire, comme souvent sur les scooters. Alors le moteur, c'est pas ce qu'on a vu de plus vif au démarrage, il y a un petit temps de latence. Mais en revanche, il se rattrape largement par la suite. Il y a une montée en régime franche, constante. Et puis ça faiblit pas. Hein. Le moteur est peut-être un petit peu bruyant par rapport à ce qu'on connaît chez d'autres marques. On peut tout à fait envisager des bons trajets sur voie rapide, surtout qu'il tient bien la route. Les suspensions sont rigoureuses, le cadre aussi, ça tourne d'un bloc. Le moderne monocylindre Power Motion offre les 15 chevaux maximum pour les 125. C'est ce qu'il fallait pour mouvoir les quelques 176 kg du Pulsion. Son comportement équilibré entre vivacité et stabilité s'accompagne d'un freinage ABS et couplé, ce qui se fait rare aujourd'hui. Le passager est bien accueilli, avec une selle un peu ferme mais pas trop haute, et de bonnes poignées. Il ne lui manque qu'un osseret. Enfin, on apprécie les belles finitions, la signature visuelle typée 3008 et le cockpit lui aussi très automobile. Signalons que l'abonnement à l'application smartphone est offert pendant 2 ans. En ville, on va adorer justement ce gabarit moyen. Avec un très très bon rayon de braquage, il permet de faire demi-tour dans un mouchoir de poche. Très bon équilibre aussi, pas large, il se faufile entre les voitures sans souci. On voit très bien dans les rétros. Et puis alors un gros point fort, c'est son freinage. Hop, au levier gauche, on a ABS et freinage couplé, c'est parfait. Le levier droit permet d'en rajouter un tout petit peu à l'avant, mais sincèrement, j'ai rarement vu un levier gauche couplé aussi efficace. Et les réactions de l'ABS sont pas trop virulentes non plus. Voilà, on se connecte avec l'appli. Hop, navigation, ça y est, il a trouvé. Hop, et on va mettre, tiens, on retourne au travail, on démarre la navigation, on met le téléphone dans la petite boîte à gants où il y a une prise USB, et voilà, c'est reparti. Et là, au tableau de bord, il nous indique les directions. Donc ça, c'est plutôt sympa, ce GPS, même si je trouve que au tableau de bord, les infos sont un peu petites. Et pour lire les indications de rue, c'est pas forcément évident. Et puis surtout, dans les rues, concrètement, il n'y a pas souvent les panneaux qui disent que c'est la rue, quoi. On l'a attendu longtemps ce nouveau Peugeot, mais force est de reconnaître qu'il est réussi. On comprend que le tarif des versions Allure et RS soit élevé, avec leurs équipements modernes et la production du scooter amendeur. Reste à savoir si cela suffira aux pulsions, à la croisée des genres, pour trouver sa place face au ténor GT du marché.